Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Et là, on va parler d'un film. Avant, je trouvais que c'était une daube. Alors, je trouve toujours que c'est pas ouf, mais ça passe. Il s'appelle Suicide Squad. Vous allez me dire, mais pourquoi il parle de Suicide Squad? Il n'y a pas d'autres films en préparation. Voilà, je pense que c'est au point mort. Il y a des projets autour, il y a Peacemaker la série, il y a une saison 2. Là, je vais vous parler que de Suicide Squad, sorti en 2016 avec de David Ayer. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de Final Cut de David Ayer. Il a dit, c'est bon, passe à autre chose. Il a dit cash, il a dit c'est mort. Suicide Squad, ça parle de quoi? Alors, Suicide Squad, c'était un film qui faisait partie de l'univers étendu de DC Comics. Donc, on a eu Man of Steel, on a eu Batman vs Superman et on a eu Suicide Squad. Donc, ce Suicide Squad, c'est une équipe d'ennemis qui s'associent et qui font des missions suicides, comme son nom l'indique. Donc, on a Harley Quinn, King Shark, Joker, Deadshot dans le film, Killer Croc, Diablo, ça fait 6. Et un japonais, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça fait 7. Il y a Rick Flag qui est leur chef. Et voilà. Et la méchante, c'est l'enchanteresse. Le film marche pendant 30 ou 40 minutes avec une excellente BO, une excellente présentation de personnages et des caméos intéressants comme Flash, que je trouvais pas mal avec Captain Moonwang qui est énorme. Ouais, Captain Moonwang aussi. Et c'était énorme d'ailleurs dans le premier Suicide Squad. La BO est excellente. Et en fait, après 40 minutes, le Joker est nul, le film est nul, il s'effondre. Donc voilà. Maintenant, je trouve plus que c'est une daube, je trouve que c'est regardable. Alors les gens vont dire, ouais, t'as changé d'avis. J'ai pas changé d'avis. Je trouve toujours que c'est pas un film de fou, mais ça se regarde. C'est-à-dire que si ça passe à la télé, je peux le regarder pour me divertir. Voilà. Mais j'en attends rien de plus. Et quand ce film est sorti, il avait une certaine, plus ou moins une certaine prétention. Parce que Suicide Squad dans le bouquin, c'est quand même pas nul. Mais du coup, le film, lui, le premier, était nul. C'est pas. Le film est découpé, les charcutés. J'ai pas aimé la réalisation de David d'ailleurs, à part les 40 premières minutes. Après, je trouve que le film s'effondre. Il n'y a plus rien d'intéressant. Le méchant est nul, l'histoire est nulle. Donc voilà. À part Captain Boomerang qui m'avait fait rigoler un peu dans le film, et le personnage de Diablo. J'aimais Will Smith qui faisait du Will Smith et Margot Robbie qui était Harley Quinn. La scène du bar. Voilà. Il y a 4-5 trucs qui étaient bien dans le film. Tout le reste, c'est acheté. Voilà. Par la présentation, la BO, Amanda Waller. Le reste, c'est quand même assez éclaté. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce Suicide Squad. Voilà. Pas terrible. N'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. À la prochaine.